René Darry est le fils de l'artiste de café-concert Abélard. Dit le comique idiot. Il est l'une des vedettes à avoir commencé le plus jeune sa carrière cinématographique. En effet, on le voit sur grand écran. Dès l'âge de 3 ans sous le nom de Bébé Abélard au temps du muet. Sous la direction de Louis Feuillade. Il tourne avec lui pas loin de 80 courts-métrages en 3 ans. Pourtant, le contrat est résilié en 1913. Au profit d'un autre enfant plus jeune. Et moins cher. René Poyen interprète debout 2 ans. Dès 1916. Il fait ses débuts sur les planches avec Lucien Guitry. Il abandonne assez vite ce métier pour aider son père à la gestion d'un cinéma dans le 20e arrondissement de Paris. Il retrouve le chemin du théâtre bien plus tard, interprétant en particulier Le Temps des Cerises de J. L. Roncoroni, Marius de Marcel Pagnolan et Ce soir à Samarcande de Jacques Deval. Ses rôles les plus marquants au cinéma sont Nestor Burma dans 120, Rue de la Gare, Riton. Le complice de Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby, et le maire du village dans Les risques du métier avec Jacques Brel. Mais à son tout début, il faut noter ses performances dans Le Révolté en matelot anarchiste à la forte tête, et dans Le Carrefour des enfants perdus qui relatait la difficile création d'une maison de redressement pour délinquants, sportifs accomplis. René Darry fit également de la boxe dans les années 30, sous le nom de Kid René. Mais aussi du musical sous le pseudonyme de René Duclos. Il participa à des opérettes comme Normandie de Paul Mizrachi et Trois valses d'Oscar Strauss. Entre 1934 et 1937, il fit partie de la troupe du théâtre des Bouffes parisiens. Considéré comme un probable remplaçant de Jean Gabin qui avait quitté la France pendant l'occupation. Le 19 mars 1942. Il est du voyage qui mena un certain nombre de comédiens en vogue à l'époque. Suzy Delair, Junie Astor, Daniel Darieux, Albert Préjean, Viviane Romance, etc. à Berlin, à l'invitation du gouvernement allemand. Il participa également à des séries télévisées comme Les 5 dernières minutes. Dans les épisodes On a tué le mort et Les enfants du faubourg. Mais c'est en 1965. Qu'il acquiert une très grande notoriété en incarnant le commissaire Ménardier dans la célèbre série Belphégor ou le fantôme du Louvre de Claude Barma. Avec Juliette Gréco et François Chaumette, on le voit aussi comme commissaire Lefranc dans cet épisode de la série Les Compagnons de Baal. En 1968, il écrivit aussi des romans, comme Express 407. Il tourne une dernière fois en 1968. Pour le cinéma, dans Go To, L'île d'amour de Valerian Borovchik et pour la télévision en 1974 dans Une affaire à suivre. Second rôle durant toute sa carrière. Il était l'incarnation même du français. Petit, râleur bagarreur, mais bon cœur. Il fit aussi un bon nombre de doublages. Western, policier, série TV, Les Incorruptibles, etc.